Je vais chercher dans mon Vidal un truc pour toi, un poème pour toi. Un poème qui fait rigoler. D'accord ? Depuis 4 ans, Geneviève et ses comparses comédiens donnent dans l'artisanat du sur-mesure. Médecins ambulants, à leurs heures, c'est à coups de poésie qu'ils soignent le chaland. Des consultations là où, a priori, on n'attend pas les belles lettres. La danse est un recueil de poèmes. C'est ce qu'on appelle notre vidal poétique, c'est-à-dire qu'on a plus d'une centaine de textes qu'on a récoltés au fil des années, qu'on a récoltés avec ce que les gens nous ont donné. Et ces textes, on les connaît plus ou moins et on va les choisir pour les personnes. Une fois qu'on a eu un entretien avec la personne, une fois qu'elle nous a dit, enfin que nous on a ressenti quelque chose de ce qui se passe aujourd'hui au moment où on est avec elle, on va lui choisir le poème pour elle. Et c'est ainsi que les mots s'invitent au milieu du marché, des odeurs de poulet et de primeurs. Pas de quoi faire peur à cette brigade qui trouve ici un public tout ouïe. J'ai gravé ton nom sur un arbre, mais l'écorce est tombée. J'ai gravé ton nom dans le sable, mais le vent l'a effacé. C'est le meilleur endroit pour rencontrer un maximum de gens. Et puis c'est... Enfin, je pense que l'atout surprise, c'est pas si mal. Ça permet d'amener le poème dans la rue. Et déjà, j'apprécie beaucoup le printemps des poètes. Je trouve que c'est bien, quoi. Le diagnostic était bon. Voilà, tout à fait, on va dire ça. Elle a bien joué le docteur. Des consultations poétiques, la compagnie hors saison en donnera encore à Montbazon et à Tours. Ce sera sans compter les ateliers de lecture et d'écriture. Le printemps des poètes, c'est jusqu'au 15 mars prochain.